Juliette, ô ma Juliette, viens donc jouer de ma trompette. Oh Roméo, mon Roméo, attends, j'arrive, mets-toi sur le dos. Salut à tous les amis, c'est Hammers et Octal Insist. Et ce soir, on se faisait un peu chier, alors du coup on s'amusait à faire un petit cache-cache. Et puis finalement on s'est dit que ça ferait une bonne vidéo, donc c'est ça. Et du coup un petit cache-cache dans une map que vous découvrez en avant-première. C'est la map de Totenkopf saison 3. Vous savez Totenkopf, cette série, on n'a pas encore sorti la saison 1. Enfin bref. Et du coup, c'est un cache-cache, hein. Les règles très simples. Hammers va compter jusqu'à combien, 40, 50. Pendant que moi, je vais courir comme un gros dératé pour me planquer avec toutes mes petites potions de rapidité, là, histoire d'aller vite. La map est grande, mais assez pour qu'on ait le temps d'aller un bout à l'autre en 50 secondes, largement. Comme ça, vous aurez l'occasion de la découvrir. Surtout, toi aussi, tu vas la découvrir, parce que tu la connais pas tant que ça, au final, cette map. Bah non, parce que moi, je respecte mes adversaires et du coup je ne vois pas ce qui se passe dans la map. Voilà. Surtout que t'es pas un builder. Hein. Bon voilà. Bon en gros on va commencer. On est comme Skype. Je lui dis il compte jusqu'à 50, mais en vrai s'il est arrivé à 20 et que je me suis déjà planqué, je vais lui dire d'arrêter. Enfin, voilà, quoi, tu suis pas un bâtard non plus. Hein. Voilà, c'est ça. Aussi il doit me dire à chaque fois qu'il me voit que. Mais si je le vois, je lui dis. Pareil, il va faire claquer les fireworks comme ça. Et je dois lui dire si je les entends et si je les entends de plus en plus. Voilà. C'est l'idée. Bon. T'es prêt? Je suis prêt. Allez. À la tienne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 44, 45. Ouais, 50 du coup. Bien sûr, j'ai toujours le droit de me promener et de courir comme un dératé dans la ville pendant qu'il me cherche. Alors, bien sûr, tu cherches en F1 histoire de pas voir mon pseudo. Ouais, trouvé. Mec. Ouais, trouvé. Comment ça, trouvé? Viens là, toi. Je t'ai dit en F1 pour pas voir mon pseudo. Je suis en F1, mon gars. Et j'ai eu un bug de chunk qui t'a juste affiché toi. Bah du coup on va recommencer, salope. Bon allez vas-y, je m'en remets là-bas. Oh mon gars c'était génial. Et genre j'arrive, boum, je te vois. Et puis là, le bâtiment il apparaît sur toi. Vas-y, j'ai la planque parfaite. Trouvé. C'est ça. Bon alors. Du coup, t'as pas pu aller bien loin de ce secteur-là. Je serais surpris. Ah oui, c'est vrai que t'avais la popo de speed. Est-ce que t'entends les feux d'artifice? Non. Ok. Je pense que t'as été par là. Donc là, je longe l'université. Alors, j'ai pas un champ de vision très folichon, je te le dis. Je cours après le stade. Et là, je me rapproche. On reste en surface, on a dit, on est d'accord. Oui. Bon, si on se met dans les égouts, on n'a pas fini. C'est complètement obscène comme planque. En même temps, j'en ai profité pour trouver la prochaine planque, mon gars. Le mec. Et franchement, allez pas piquer des hannetons. Le mec, il se fout de ma gueule. Pourquoi? Parce que je l'avais sorti un coup, tu t'avais dit, pourquoi tu dis ça? Ah oui. Je ne te vois pas. C'est normal. T'es en F3? Enfin, t'es en game mode 3? Mec, je suis en mode spectateur. Et donc du coup, hein, je dis ça pour prévenir nos chers viewers. À la base, si on était sur cette map-là, c'était pas innocemment. Hein. C'est parce que à l'origine, cette map-là,
non seulement va accueillir Totenkopf saison 3 le jour où on y arrivera, mais aussi va accueillir l'intro de la drôle d'aventure saison 2 auquel on commence à sérieusement y penser. Plus que sérieusement. Et du coup, ouais, on était dessus, on se disait bon, qu'il nous faudra tel nombre de personnes, tout. Bref, on a prévu la chose. À l'heure où nous parlons, l'épisode 19 a été écrit. Absolument. Par contre, on n'a pas encore fait le décor de la saison 2, de l'épisode 2. Hein. Détail. Je ne te vois pas. Serais-tu caché Est-ce un gros bâtiment? C'est gros, mais par rapport aux autres bâtiments qu'il y a, c'est pas si gros que ça. D'accord, bon, c'est pas là où je suis. T'es quel bâtiment là? Dans le hangar avec les vaisseaux spatiaux. Ou non, t'es bien trop loin. Enfin, pas tant que ça, mais t'es loin. Le mec il est parti dans le hangar. Et qui spoil la saison 2 quoi. La saison 2 de Totenkopf, enfin pas de la drôle. Oui. Bah oui. Ils sont perdus. La saison 2. Non mais laisse tomber. Pas de coucher. Ils comprennent pas rien. Oh là là. Alors. En plus t'as les bugs de Chunk, ça va rendre super bien en vidéo. T'entends les feux d'artifice? J'entends que dalle. Mais t'es trop loin alors mon gars. Où c'est que t'es? Je suis dans des bâtiments type F2 et F3. Ouais. Il y en a plein des comme ça dans quel coin? À côté du bâtiment vert. Le bâtiment vert c'est l'hôpital? À côté de la police. Ouais. Ouais, t'es loin hein, aussi. Bâtiment vert sur l'hôpital. Hein. D'accord. Niveau couleur, il est pas très distingué, hein, même. Ah bon, mec, il doit. Quoi? Tu dis que je suis loin, mais en même temps. Il y a pas 36 000 bâtiments non plus. Hein. Ah bah, je sais bien. Hein. T'as, regarde, tu pourras leur montrer la carte en passant d'ailleurs? Ouais. Sur la plage en face de la sortie de l'autoroute? Je sais, j'y suis. Je sais rien. Dernière nouvelle, tu connaissais pas la map? Ta gueule. Alors voilà. Je fais ça pas remarque. Hein. On va regarder la petite carte. Est-ce qu'on voit ton point dessus? Non. Le point vert que tu vois, c'est là où est la carte, c'est-à-dire là où t'es. Ouais. Non, il indique pas les joueurs. Donc là, on va aller. On va aller là-bas. Déjà, on va aller regarder là-dedans, parce que je suis persuadé que tu vas te cacher là-dedans. Là-dedans quoi? Et t'es au courant que j'ai pas bougé de place depuis que t'as commencé à charger? C'est vrai? T'es où là? Dans le cimetière. Je crois pas avoir fait des tombes assez profondes pour pouvoir se planquer dedans, je te le dis. Je sais pas, parce que tu m'as dit que c'était quelque chose d'obscène. Bah c'est pas obscène un cimetière. Ah mais justement, te cacher dans une tombe, ça aurait été très obscène. Oui, effectivement. Obscène dans le sens, tu vas dire c'est trop abusé comme planque. Mais si tu me trouves, là, t'es un beau gosse. Putain, mon gars, j'avais cru te trouver, mais en fait, non, c'est une salle avec rempli de bonhommes. Ah oui, dans le truc que Vlink il a fait. Ouais. Ouais, ouais, je vois. Est-ce que t'entends les feux d'artifice? Non. Tu les tiens d'où là? Je les tiens de devant la verrerie. Normalement, je devrais les entendre. Je te le dis, hein. Je les entends pas, mais je devrais les entendre. De devant, c'est-à-dire devant au niveau de la plage ou au niveau de. Ouais, au niveau de la plage. Ouais, je vais. Ouais. Je devrais quand même les entendre. Je bug un peu, mais bon.
Si je te trouve, c'est que je suis un beau gosse. Ah oui, carrément. C'est tellement affreux comme planque. T'es genre dans un 2 mètres carrés ou... Ah non, 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 c'est assez spacieux là où je suis. C'est la manière, dirons-nous. De comment je vais te trouver, c'est ça? Non, de comment je suis caché. Je suis sûr, c'est comme un guignol en plus. Tu vas m'insulter quand tu vas me tomber. T'es où là? Au niveau de la toiture arborisée. Ah, toujours au bâtiment de Flink? Ouais, à côté. À côté. Ah, au niveau de la fac? Ouais. Je suis dans ce coin alors, on va dire. Dans le pâté de maison, dirons-nous. Bon, vu que ma planque est dure, je décide d'y rester. Hein. Je vais pas me mettre non plus à courir dans tous les coins. Non, tu vas jamais y arriver. Je t'ai pas encore vu passer. Hein. Je me suis remis à l'endroit où t'étais caché pour voir si t'étais pas resté au même endroit. Parce que là, je t'aurais insulté. Je me rappelle même plus où j'étais planqué. Ah là, non, non. Mais je t'ai dit dans le même pâté de maison. Si t'es arrivé à la station essence, c'est que t'as traversé la route. Oui. Ouais, bah voilà, donc c'est plus le même pâté de maison. Et ouais, mon gars. Y'a combien? Y'a la fac, y'a le bateau, y'a le truc de Vlink, et puis y'a la moitié de la tour. De la tour quoi, la tour qui va des deux côtés. Il y a quatre bâtiments quoi. Et un gros parking. Mais bon, je vais pas planquer dans le parking, ce serait un petit peu con. Quoique, hein, vu que mon personnage il est habillé tout en noir, je me mets en plein milieu, tu me vois pas. Hein. C'est le truc fourbe. Le mec il est pas caché, il a juste un skin de tronc d'arbre et puis il se met devant un arbre. Attends mon gars, quand je vais te trouver. T'es où là? Dans la tour. La tour, ah la tour Ouais. Le mec il croit que je suis fourbe, tu sais, puis quand je lui dis que je suis dans le pâté de maison, je suis dans la tour, mais tu sais à la limite du pâté de maison, genre tout en haut. Ah là là. Mais elle est vide la tour, hein. Tu devrais aller assez vite à la trouver, à me trouver. En regardant dedans, t'en regardes juste par la fenêtre. Ouais, mais j'ai trouvé. Ah, c'est plus compliqué que ça. Tiens, je suis en train de faire tous les recoins là, Ça me stresse. Ah, je te dis, je suis pas dans un coin, je suis en plein air là. Hein. Dans plein air? Enfin, en plein air, je veux dire, j'ai. Je suis un grand espace. Je t'ai pas encore vu une seule fois. Ah, si, je viens de te voir. Je t'ai vu passer comme une flèche, le genre. Wow. Trop marrant. Je te vois me chercher. Je te vois me chercher, c'est tellement drôle. Oh, non, non. Tu me vois encore là? Ah oui, oui. Quand tu verras où je suis, là je te vois plus. T'es trop haut. Un sale pute. Le pire c'est que tu m'as regardé mais tu m'as pas vu quoi. Putain. T'étais tout prêt hein.
T'es vraiment passé juste à côté de moi, quoi. Ah, je te vois! T'es dans le magasin. Alors, je te vois pas en direct, là, par contre. Hein. Je te dis, je te vois à travers le verre. Hein. Mais tu te refroidis, là. Hein. Voilà. T'es quand passé à côté de moi en me regardant. T'es... Coucou. Bâtard. Je te vois, tu t'endormais, je me dis, t'as un truc qui cloche mais, avec ce mais tu sais que je suis venu... Je suis venu genre deux fois là en plus. Ouais. T'es passé là... à côté de moi, je sais pas combien de fois. Mais oui. Enculé. Qu'est-ce bon, que c'est à toi mon gars. Ok. Attends, t'as le stuff adéquat? Non, je sais pas. Attends, on va voir là-bas, on va se remettre. Bref, tout ça pour dire que j'ai été une grosse pute. Ah oui. Mais j'ai tenu les règles, hein. Je t'ai dit quand je te voyais passer, je t'ai dit quand t'étais plutôt loin. C'est vrai, c'est vrai. Par contre, est-ce que tu repères à peu près la ville? Parce que si je te dis je suis à tel endroit, que t'es pas quand même de me dire si je suis tout près ou pas. Non, si, je suis repéré maintenant. Tiens. Par contre, il faut que tu mettes le mode et tout, parce que moi je peux pas le faire. Ah oui, c'est vrai. T'as pas la permission. Allez, prends les fioles. Attends, faut que je me remette en mode normal. Hop. Tac. Voilà. Merde. Qu'est-ce que je fais? C'est pas 1, c'est 0. Voilà. C'est bon? Attends. Je suis pas prêt. Bâtard. Ok. Vas-y. Ah, si, c'est bon. C'est, voilà. Passe-moi le feu artifice. Passe-moi un. Vas-y, tu regardes le sol par contre. Ouais. Alors, attention. Bah, gars, balance-moi ta fiole vide, et dès qu'elle est dans mon inventaire, je commence à compter. Ah la voilà. Est-ce que tu m'as entendu? En fait, j'entends dans ton son, mais pas dans le mien. Ah merde, bah attends. Oui, alors ça, parce que c'est, ça, je vais leur raconter, c'est un truc très drôle. Hein. J'ai le son d'Hammers dans mon casque. Par contre, mon Minecraft, je sais pas pourquoi, il veut à tout prix rester sur l'ordi. Pourquoi pas, hein, il fait ce qu'il veut. Et là? Non? Non, j'entends plus rien. D'accord. Alors, on va essayer. Je suis sûr d'une chose, c'est que t'es parti dans mon dos. Si dans le cas contraire, je serais parti te noyer. C'est bizarre. Je suis parti dans... Pourquoi tu regardais vers où? J'ai regardé vers la plage. Ah ouais, bon. Et là, t'entends? Non, je t'entends pas. Alors, on commence, t'es en intérieur ou en extérieur? Extérieur. Ah, tu te déplaces? Oui. Il joue pas le même jeu que moi, le petit. Bon, par contre, il est pas con, il se déplace pas en plein milieu des routes, hein, j'imagine. Oh, les chunks qui chargent pas. C'est génial. Oh, tu me tiens au jus, hein. Bah, c'est bon, je suis caché. Ah ouais? T'es parti à l'autre bout du monde, non? Non, pas forcément, c'est que j'ai mis du temps à savoir ma planque. Alors, t'es toujours en extérieur? Non, et t'es en F1 ou pas? Ouais. Ok, j'ai pas besoin de me sneak alors. Ouais, bah je me suis mis en F1 quand tu l'as dit en fait, hein, parce que j'avais complètement zappé. Il est caché dans une maison. Ah, dans un bâtiment. Et lequel? C'est ça la question, lequel? Ouais. J'essaie de me dire, est-ce qu'il y a un indice dans ce qu'il vient de me dire ou pas? C'est genre, lequel, parce que c'est pas laquelle, parce que c'est pas une église. Tu réfléchis trop, mon gars.
À chaque fois que je rentre dans la fac, il y a un putain de PNJ, je me dis, oh, c'est toi! Non. Le bâtiment, il est plutôt petit ou plutôt grand? Pas très très grand. Ah, mais tu m'as dit que t'avais trouvé ta planque. Ah, mais non, tu t'es pas mis là du coup. Sinon, tu serais allé directement. Est-ce que tu serais là de. Dans. Non. Merci, Chunk. Dans quoi? Dans le bâti. Bah, le bâtiment où t'arrêtais pas de chercher tout à l'heure en quoi j'étais dedans? Juste à côté du bateau? Non. Très très loin. Ah, d'accord. Bon, go. T'es dans le stade? Tu te rapproches. Est-ce que se planquer en l'immensité, c'est une bonne solution? Alors, te dire, il va balayer la zone du regard, il va pas me voir. Alors, à côté du stade, t'as la fac, mais ça m'étonnerait. Bonjour pour trouver les escaliers. La station essence. Attends, je vais juste dégager cette saloperie. Voilà. Regardez, c'était pas dans la station essence, qui serait assez honteux. Vu que je me suis caché dedans à la manche d'avant. Dans les la station essence, peut-être. Les portes sont ouvertes ici. D'accord. Aurait-il trouvé. T'es pas dans les souterrains? Non, 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 non. Ou alors t'es dans le voile. Et sinon, c'est que t'es au niveau de l'autoroute. Il y a un trou dégueulasse ici. Je sais pas ce qu'il fout là. On le voit, ça c'est vite à vérifier, hein, le bâtiment est vide. Sous les escaliers, tiens. Ça serait bien une vague de chien. Mais vas-y, parle, raconte ta vie là, sinon ils vont se faire chier les viewers. Bah écoute, ah, faut tout dire. Moi j'ai un sexe qui fait. C'est comme les mecs qui remplissent, tu sais, les fiches d'identité, tu sais, genre nom, prénom, âge, sexe. C'est le mec qui fait Jean-Pierre, Michel, 42 ans, 32 cm. Le mec qui a pas compris. Alors, le bâtiment est pas très grand, t'as dit. Mais alors, la question est-ce que c'est un bâtiment aussi? Me dis pas que t'es retourné sur l'autoroute. Moi je dis rien, moi. Ça veut dire que j'ai touché une corde sensible. Ah, ou alors, est-ce que c'est un bâtiment ou est-ce que c'est une ruine? Ah. Tiens, déjà tu. Ah, le seul bâtiment de toute la map que tu as semi-construit, dirons-nous. Je l'ai construit en entier, je suis désolé, monsieur. Ah, c'est moi qui l'ai démoli, c'est tout. Voilà, c'est ça. C'est moi qui lui ai donné sa classe. Vous vous faites chier à construire un bâtiment. Oui, donc t'es pas sur l'autoroute. Lou, y es-tu? En tout cas, les viewers qui regardent la vidéo sont en train de se marrer en se disant que tu galères complètement. Là, on est un petit comité en train de rigoler, de se foutre de ta gueule. Hey, je regarde dans la grue, on sait jamais. Ah oui, tout à l'heure, tu t'es caché dans la grue. Ah non, je te parle de la petite grue, c'est genre la grue de démolition. Ah ouais, j'aurais pu. Je suis passé devant en plus. Est-ce que c'est un bâtiment? T'es dans la gare? Non. Bah. T'es à l'intérieur, mais c'est pas un bâtiment. Oui. Qu'est-ce que ça peut être? Je sais pas, un stade c'est un bâtiment, une gare c'est un bâtiment. Une autoroute c'est pas un bâtiment. Non, 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 c'est pas ça. Un train? Ah. Ah. Tu commences à te poser les bonnes questions, mon ami. Ah. Bon, il y a deux trains. Je crois.
Et du coup, j'ai pas le son du jeu, alors du coup, je t'entends pas si tu utilises une plaque de pression tout près de moi ou quoi que ce soit. Dans un pont. Dans un tunnel. Non. Bah, c'est que t'es pas dans un train alors, parce que les trains ils sont sous le tunnel. J'ai jamais dit que j'étais dans un train. Je sais, t'as dit que je commençais à me poser les bonnes questions. Bon. Ouah, depuis quand il y a de la flotte ici? Putain, je découvre des trucs dans ma map, quoi, c'est un truc de fou, j'ai rien. Oh, serais-tu arrivé dans le donjon sous la gare? Non. Je suis déçu. T'es pas dans la gare, t'es pas dans un bâtiment. Mais c'est dans quelque chose. T'as pas été du genre à te parquer dans une grotte quand même? Non, 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 non. Dans un truc qu'on a construit? Oui, oui, oui. C'est pas l'aérogare, j'imagine, parce que c'est un bâtiment, l'aérogare. Qu'est-ce qu'on a construit autre que des bâtiments et des ponts? Bah des routes. Et autre que des routes. Et après il y avait les... Et les tunnels, tu comptes pas? Oui, c'est ce que j'allais dire, les tunnels, non, donc... Bah... Alors il y avait cette idée que j'avais eue, mais je me suis dit non, ce serait trop fort de se planquer là-dedans. Vas-y. Les espèces d'escaliers qui te font descendre sur la plage? Non. Enfin, je sais pas ce que c'est, en fait. Bon. Du coup, t'es pas dans le stade. Non, mais je suis à côté, hein. Je le vois si tu veux le stade. Bah, tu pourrais être dans une pelleteuse, quoi, mais bon, je t'aurais vu. Tu me vois pas là? Non. Je regarde dans les bungalows de chantier et tout. Dans un buisson? Non, non, non. Non, parce que t'es à l'intérieur. Alors mettez dans les commentaires des pouces bleus si vous trouvez qu'ils ressemblent beaucoup au bruit du villageois. Ah, t'es pas dans une voiture, parce qu'on peut pas rentrer dans les voitures. Tu le vois. Quand tu dis tu vois le stade, te dire que tu le vois de loin ou tu le vois bien? Bah je le vois vachement bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que des bâtiments dans la map, putain? Mais t'es vraiment sur l'autoroute en fait. Non. La merde. Les maisons, les méthodes... Ça peut pas être l'éolienne, on peut pas y grimper. Je regarde la cheminée, je me dis on sait jamais, là peut-être réussi à y rentrer le salaud. Non. Franchement, je suis content de ma clochette. Parce qu'elle est pas si discrète que ça en plus. T'es en plein milieu d'un parking? Non, je déconne. Non, je suis en plein milieu du stade, t'as pas vu? C'est ça. Il y a votre arrière à la stade, normal, je suis en plein milieu. Tu sais. En fait, depuis tout à l'heure, il dit que de la merde, il est juste polo. Non, non, si, je mens pas. J'ai le film pour en prouver. Totenkopf, putain. Vlink, c'est pas écrire Totenkopf, quoi. C'est pas grave, c'est pas grave.
Ah si, quand même un peu. On lui expliquera. Je suis sûr qu'il sait même pas ce que ça veut dire. Non, je suis sûr, oui. Bon, là, on commence. Putain, mais mec. Non, mais là, pour le coup, je suis quand même sacrément circonspect. Sans le sien ni le P, hein, d'ailleurs. Alors, t'es plus du côté tout ce qui est hôpital-gare ou plus du côté fac et station-service? Aucun des deux. Vas-y, oh putain, qu'est-ce qu'il me raconte? Alors, j'ai ma petite idée. Parce que il n'y a que deux côtés du stade où il y a un endroit, donc je viens de te citer les deux, donc si t'as aucun des deux. C'est la plage ou la plage. Mais il y a la plage où il y a un peu plus de... Hein, quelque chose, donc. Oh, le sale bâtard. Vas-y, je suis sûr que t'es là-dedans. Police, brigade des stupes. Rendez-vous, monsieur. Je suis sûr que t'es... Alors, par contre, si t'es là-dedans, je tiens à dire... C'est un mensonge, hein, parce que ça se dit aussi. On appelle ça aussi un bâtiment. Hein. Non, non, non. Ouais, oui, mais. Oh salope. Les gros buteux, c'est un bâtiment. Mais si, c'est un bâtiment. Non, c'est un véhicule. Tiens. Non, un navire, c'est... on dit d'un navire que c'est un bâtiment. C'est un véhicule, putain. Un bateau, on dit aussi que c'est un bâtiment. Je m'en fous, c'était un véhicule. Bon, bref. Tout ça pour me dire, toi t'as dû me dire, est-ce que t'as un bâtiment? Ouais, mais... Voilà. Ouais, c'est genre... ça. Ouais, t'aurais pas dû dire, je suis pas dans un bâtiment. Toi t'aurais dû faire, ouais, ça dépend. Ouais, je me sais. Le truc, c'est que je t'avoue, ce bateau-là, déjà à la base, il était pas là. C'est moi qui l'ai bougé il y a pas si longtemps que ça, en plus, pour le foot ici. D'habitude, il devait être en face de la sortie de l'autoroute, justement. Donc, carrément de l'autre côté. Franchement mon gars, je l'ai trouvé, j'ai fait oh putain mon gars, ça c'est de la putain de planque. Mais c'est en fait au début je t'ai dit je sais pas trop où je vais, mais en fait c'est parce que c'était super loin. Et quand t'as fini de compter, j'étais même pas à la moitié du chemin. Ah bah comme quoi on peut pas traverser la map en 50 secondes, on le saura. Donc bon voilà. Tout ça pour dire qu'on a tous les deux trouvé des vieilles planques de pute. Là c'était de ces escaliers là que je te parlais. Ouais je me suis douté. Et mon gars, t'as mis trop de temps à me trouver. Ouais, bah, est-ce que t'as les chronos? Non, mais c'est pas grave, on verra sur la vidéo. Mais je crois que c'est toi qui a gagné quand même. Mais ouais, bah, pareil, par contre, c'est ça, tu m'as juste donné, je suis pas dans un bâtiment. Ce qui était à moitié faux. Oh, allez, mon gars, si t'avais juste réfléchi un mais peu. Mais le principe des indices, c'est qu'il faut jouer sur les mots. Déjà, le bateau, j'avais complètement oublié. Qui existait ce bâtard, hein. C'est quand j'ai vu, je dis, mais oui, putain, mais c'est vrai, il est là, lui. C'est Vling qui l'a fait, c'est pour ça que je m'en rappelle pas. Je lui ai dit, ce serait bien de faire un bateau, puis il l'a fait, il me l'a jamais dit. Juste un jour, je l'ai vu, je fais, oh, putain. Mais n'empêche, tu vois, je connais mieux ta map que toi. Ouais, je parlais pas au-dessus. Parce que pareil, tu vois, si tu m'avais dit, t'es dans un bâtiment, tu m'aurais fait, ouais, tu vois, ça pourrait aussi être un des quatre machins qu'il y a dans les hangars là-bas, parce que c'est aussi des bâtiments. Je dis d'un vaisseau. Ben, moi, à la base, un vaisseau, c'est un bateau. Ouais. Parce qu'on a tout ce qui est tiré, genre Star Wars et tout, Star Trek. On a donné au nom des vaisseaux spatiaux le nom des bateaux, des navires. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Bref. Bon, en tout cas, j'ai trouvé que c'était une expérience assez rigolote. Ça devrait être marrant à faire, mais à 4-5. Ah ouais, carrément. Puis le dernier trouvé perdu. Tu sais, puis on se met tous à chercher dès qu'on en trouve un. Ah, tu cherches avec moi. Bah, la prochaine fois, voilà. On va organiser ça. Donc, si vous voulez, si vous voulez participer, laissez un commentaire dans la vidéo. On sélectionnera les meilleures personnes. Vous pouvez compter sur nous pour vous ignorer copieusement. T'es un gros enculé. Bon. Bon bah voilà, j'espère que ça vous aura plu, puis bah on était content de vous faire un petit coucou, hein, parce que bon bah Octalen, voilà, c'est pas qu'il est pas actif, mais... C'est le bâtard. Regarde autour de toi et ose me dire que je suis pas actif.
J'aime pas quand il fait croire que c'est lui qui fait tout alors que c'est moi. Mec, toi tu fais que filmer, mec. T'en pas compte, c'est moi qui prévois tout, c'est moi qui scénarise, c'est moi qui construis, c'est moi qui prévois. Voilà. Alors, tu vois, les seules initiatives que tu prends, c'est faire des Skywars et puis des trucs sur des serveurs. Bon allez, il y a des conneries, il dit au revoir. Au revoir. Salut.